Non, je me dis à l'état. Vous avez vu une sortie? Bonne distance sociale là, non, s'il vous plaît. Hein? La bonne distance sociale là? Oui, mais nous avons dit ça. Non, hein, nous avons moins. Nous avons moins. Pourquoi? Sénateur, pourquoi? Depuis sous tableau, oui, sénateur. Excusez. Faites un bon discours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le sénateur. Voilà, le sénateur a les amis. Voilà, le sénateur a les amis. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Elle fait un film commando encore. Bon, merci beaucoup. Bon, on a salué la presse et je remercie le Premier ministre non, qui t'a demandé pour le faire rencontre avec le Sénat pour nous échanger un peu sur la situation générale du pays. Et c'est avec beaucoup de satisfaction que l'ensemble des collègues sénateurs ont été présents pour participer à la rencontre. Mis à part deux sénateurs qui sont absents du pays, 8 des 10 sénateurs étaient présents. Ça démontre maintenant l'intérêt qu'ils avaient porté pour rencontrer le Premier ministre. On a porté des discussions sur un ensemble de points. C'est la situation générale du pays. Qui dit situation générale d'un pays parle de politique, économie, sociale, environnementale et tout. Mais nous t'ai précisé sur une série de points particuliers et nous t'ai parlé sur les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous parlé sur pandémie COVID-19. Nous parlé sur sécurité. Nous parlé sur d'autres points qui font actualité. Et finalement, nous rentrons dans différents points alors qu'on a encore 8 sénateurs. Qui l'a cap échanger, chaque cap prend prise de parole yo, et chaque domaine côté yo ta remen parle un peu plus, qui toujours des problèmes du pays, et tout échange, toute question yo abordé. Et ça nous a dit, c'est que le Premier ministre a été très ouvert, il partageait avec nous des informations sur la sécurité, des préoccupations économiques, des préoccupations politiques, tout, des préoccupations environnementales. Et ça a cherché en tant que lui-même, on branche du pouvoir exécutif et nous-mêmes du Parlement, comment maintenant nous travaillons ensemble, collaborer ensemble pour nous colter nous à problème qui concerne les pays en tant que responsables d'État.
c'est des échanges maintenant très ouverts, des échanges très respectueux, des échanges sur les profonds sur la situation du pays. En gros, voici ce que je peux dire. Nous avons une question contre Benal Lato, président, qui a fait remous. Dans la société, est-ce que même nous avons parlé de ça? Oui, nous parlé de ça, c'est nous parler de code pénal, tout de l'autre question. Bon, alors, ça, il y a différents points de vue dans le code pénal. Là. Moi, je parle de ce code pénal là déjà, c'est un code qui est venu, et le, ça, il n'y a pas retenu là-dedans, c'est que il y a une période de battement, c'est-à-dire autant, environ 24 mois avant que il rentre en application. Il y a différentes organisations qui parlent de lui-même et il y a des articles que y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord par rapport à l'évolution sociale, par rapport à l'AMS et autres. Comme je dis déjà, c'est que le Premier ministre en même temps a eu des conseillers sur la question. Hein, et d'un côté, il a tout simplement, pur et simplement, rentrer code pénal. Donc, c'est une période maintenant côté des différentes organisations, institutions de la société. Réagir par rapport à un document qui est important. N'oubliez pas, le dernier code pénal date de 1835, ça fait deux siècles. 1835, c'est le 19e siècle, nous sommes en 21e siècle. Ça fait deux siècles. Il y a pile de bagages qui sont dans le code pénal là, pour nous garder, mais nous pensons que le code pénal là, pas pour ni premier ministre, ni pour président, ni pour un sénateur, ni pour un député. C'est un code maintenant pour la société. Donc, après, tout le monde doit être d'accord pour attendre, pour faire tout ce changement de fait là, pour un code adapté. Et aux besoins, aux mœurs, aux coutumes de la population haïtienne. Voilà. Oui, Président, nous avons tout fait enchaînement, et nous, même j'ai avec nous, et en tant que journaliste, là, nous observons une page du passeport sur les réseaux sociaux qui fait état de. Et qui écrit Pierre-François Sildon. C'est un Canadien. C'est un Canadien. Qui s'est dit avec vous? Ça m'a dit, ma population, hein, d'une part, tout journaliste qui était là, pour qu'on fait rentrer, je peux retourner en mars 2017. Les moi-même Pierre-François Sildon te gagne élection que te pote prétend CEP nous te chita devant 8 membres dans 9 membres conseil CEP vous êtes tout jugement parce que moi-même te gagne élection avec 21 000 voix en plus que candidat concurrent non que moun yo te mette pas ça dehors que moi-même te toi en coopération Canada que moi une lettre de coopération Canada qui dit ni pas ni résidence au Canada ni pas canadien qui signe de l'ambassadeur d'alors du Canada et que CEP a gagné. Ou à Matmote, al sur Facebook, al sur YouTube. Tapez François Sildon, Pierre-François Sildon, sénateur de la République, Canadien, regardez ça que tu es là-dedans. Je ne vais pas réagir sur le dossier, ça toujours. Je fais chemin, je suis sénateur devant une assemblée que je prête serment devant, après toute question, tout ça que tu me fais, je ne vais pas tourner sur la question ça encore. Je suis sénateur de la République, élu du Sud jusqu'à 2023, ancien vice-président et président du Sénat de la République. Si mon angle courage, si mon avons courage, c'est pour lui déposer une plainte formelle contre moi-même. Et pour le signer. Premier ministre. Pour le signer, pour une plainte formelle contre moi-même, comme si je suis canadien. Voilà. Premier ministre, deux mots sur visite là. Ici à National de la République là. Et nous connaissons qu'il n'y a pas de majorité absolue ou relative, c'est sauvé. Mais quand même, je vous dis, voilà. Nous ne participons pas encore avec le sénateur. Article 95.1. Dit que le Sénat siège en permanence. Je vais me répondre déjà. Le Sénat siège en permanence. Il y a 10 Sénats, par majorité, il y a 10 sénateurs. J'ai eu une séance de travail très, très fructueuse avec le Sénat de la République. Le président du Sénat, qui sort déjà tout point que nous avons abordé, le dernier point, c'est le point qui fait actualité à la semaine, ça, c'est sur le code pénal. Là. Nous discutons pile sous lit. Et demain, il y a pour recevoir une correspondance qui a demandé ça a pensé sur le sujet. Ça. Mm-hmm. Et le Premier ministre, nous connaissons tout pendant le dernier temps, qui sont là, Michel, qui a fait rage. Toute population, lui-même, a souffert de ça. Et déjà plus que 3 mois, où on a tête gouvernement, qui ça, le gouvernement lui-même, compte faire pour alléger la situation de la population? Nous avons des programmes sociaux qui ont marché, bon, tout le monde n'a pas touché. Et numéro 2, c'est manger, descendre manger. Le gouvernement a continué le travail pour mettre de l'eau sous terre. Labourer terre, ben nous allons planter pour nous manger. Nous avons promesse déjà pour vous. Vous pensez que le projet faut vraiment qu'on fait pour intensifier la production nationale là? Je ne pense pas, non, moins de jour, il y a un projet faut qu'on fait. Qui côté nous commencer déjà à faire? Aller dans le nord-est, ou à venir dans la Tibonine. Et nous sommes censés plusieurs programmes à préparer. Seulement, il y a un problème de semences qu'on y a parce que
et il y a une différence entre graines et semences, des fois planté, rendement qu'on obtient à l'hectare, alors pas qu'à jeûner parce que semences sont pas de qualité. En tant que président, CSPN, non? Bon problème d'insécurité qui a valé le terrain dans le pays, est-ce que il y a des mesures appropriées qui sont adoptées pour résoudre le problème? Surtout question Genève. Il y a une pile mesure qui prend, et si pas de mesure qui prend la situation, c'est plus grave toujours. Mais nous continuons de travailler, nous ne sommes pas satisfaits du résultat que nous avons, mais nous cherchons le résultat et nous avons besoin. Et est-ce que vous avez satisfait avec le résultat que nous avons, lorsque nous évoquons Lippmann comme capable de diminuer la justice, et puis il y a un monde qui était évoqué comme substitut commissaire au CAP, c'est lui-même, nous prenons, nous mettons Lippmann de Lille, et il a été révoqué parce qu'il n'a pas de performance. Qui j'en pensais que nous sommes capables ici, dans le niveau d'insécurité que nous avons là, avec un monde qui n'a pas de résultat comme substitut. L'aide que nous avons, il n'a pas dit qu'il n'a pas de performance. Et moi, je lis l'autre correspondance côté qu'elle était contestée, révocation au niveau CSPJ. Avez-vous besoin de faire plus de recherches toujours, et monsieur le journaliste? Merci, monsieur le Premier ministre, merci, et chers journalistes, merci. Oui.